Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le live. Comment ça va les gens? Moi ça va bien. Pourquoi je m'entends double? Ah, je crois avoir trouvé pourquoi je m'entendais en double la dernière fois. Ok. Tac. Alors ça serait bien déjà que je mette la bonne scène. Ok. Et aussi le bon jeu. Je pense que ça aiderait si je mettais le bon jeu. Capture de jeu, c'est pas Dark Souls parce qu'on l'a fini. Ok, Monglo, c'est bon, ça c'est fait. Tac, tac. Et bah voilà. Et bah charge est partie. On était au chapitre 4. C'est moi où j'ai vu 40 heures de jeu. Ça me paraît beaucoup 40 heures, non? Je ne sais pas vous. Attendez. Sauvegarde. Ah non, 41 jours et 16h50 de jeu. Oui. Parce que je me disais 40 heures de jeu. Je me disais, ça fait beaucoup quand même. Alors. Oh. J'ai plein de manger à faire. Ok. Automatique. Bah oui, vas-y, continue à faire du manger. Ok, alors, bah celui-là aussi peut être pas mal. Tiens, 18 crevettes. Ok. Celui-là. Ok. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc je ne sais plus. Je sais plus jouer, hein. Ça. Bon après, en soi, c'est pas compliqué. Ok. Et frire. Ah oui, je me souviens que le seul truc que j'aimais pas, c'était faire les bouillons là. La bouillabaisse là, je sais pas quoi. Ok. Oh. Cool. Ça c'est quoi? Couteau effilé. Ouais, vas-y, moi je fais à manger. Sinon, vous, ça va? Non, parce que... Je pense que il y a peu de y a peu de streamers qui demandent si vous allez bien. Voilà. Prendre les petits légumes, on lave les légumes. Ok. On les découpe. Bon, ça, c'est simple. Découpe des légumes. On les fait frire. Après, c'est un jeu détente, hein. C'est pas un jeu où faut s'énerver. Ou un jeu compétitif, quoi. Ok. Alors, on voit bien que c'était pas un jeu, comment dire, punitif, parce que je me suis trompé deux fois sur la recette.
Le jeu a pas l'air de m'en tenir compte, donc voilà. Oh, j'ai jamais fait cette cuisine. Enfin, cette cuisine, ce. Ah, il me semble que j'avais pas eu vraiment beaucoup de poulpes. Hein. Oui, découpé, j'étais en train de me dire où c'est. Ok, recette rapide. Ok, il me reste ça, du homard. Ok. Et ben voilà. Hop, on va tout vendre. Oh, il n'y a déjà plus rien. Ok. Alors, ma mission, c'est faire quoi? Parce que c'est bien gentil, mais je dois attraper un poisson bizarre. Non, je dois faire deux. Ah oui, il faut que j'aille au centre de recherche. Ok. Je sais plus. C'est où le centre de recherche? Ah oui, ok. Attends, j'ai vu un truc. Ah non, je peux pas me garer. Je pensais pouvoir me garer au truc des bateaux pour pouvoir réparer. Mais même pas. Oh, je suis déçu. La déception quand même. Au retour, je pense que j'irai acheter un kit de réparation pour le bateau. Ce qu'on voit, il a été un petit peu touché, mais rien de grave, quoi. Attendez. Wow. Tu calmes, bateau, tu calmes. Il faut que j'aille plus. Ouais, vers le nord-est, vers le nord-est. Plus par là-bas, quoi. J'étais trop. Ah. Avec un peu d'élan, on devrait passer sans encombre. Je crois qu'ils se sont trompés dans les voies. Salut, papa. Voici la plaque de glace du Nord. On peut marcher dessus. Super, espérons que l'avant-poste de recherche du glacier n'est pas trop loin dans les terres. Ok. Toc, 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 toc. Alors, on va éviter d'avancer trop vite. Comment je me gare? Ah, ok. Oh. Oui, espérons-le. Il va falloir faire le reste à pied. Hein? C'est pas possible! C'est ça, l'avant-poste de recherche du glacier? Eh, hey, c'est l'équipement d'analyse maritime le plus avancé de tous l'hémisphère nord. Ok. Même si oui, ça peut paraître un peu froid. Olivia Desjardins, ma partenaire, Marina, m'a prévenu que quelqu'un allait venir pour régler le problème de l'ancre. Par contre, je m'attendais plutôt à quelqu'un comme Claude. Claude, c'est pas très. N'est pas très disposé à parler. Ça sent l'euphémisme. Bon. Avant d'aller plus loin, je vais vous apprendre à survivre ici, les citadins. Oh, tu as affaire à des pêcheurs professionnels, ça ira. Je voudrais parler de la pêche dans la glace. Ça n'a rien à voir. Comme toujours, choisis ta canne, ton appât et ton leurre en fonction de ton type de poisson, si tu veux prendre. Ok, bah, vas-y, je pêche. Pour commencer, appuie sur A, à côté du trou pour pêcher dans la zone et pour que ça monte. Quand un poisson mort, appuie sur RT pour ferrer, ok.
Oui. Ensuite, prépare-toi à remonter vite le poisson à la surface. Appuie sur A pour quand l'indicateur atteint la zone d'action. Ok, je crois que j'ai compris. J'ai compris, mais j'y arrive pas. C'est ça le problème. Oui, non, mais j'ai compris, mais laisse-moi me sauver, en fait. Ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il faut faire. J'ai vu qu'il y avait un truc qui réduisait en fait. J'appuyais trop tôt à chaque fois. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris, mais c'est chaud, hein. Ça va vite quand même. Ça va vite. J'aurais peut-être pas dû choisir ce truc-là. Ok, c'est bon. Ensuite, prépare-toi à vite remonter à la surface. Ouais! Essaye encore. C'est simple, mais fais attention, certains poissons sont plus coriaces que d'autres. C'est très facile à faire de faire une erreur et de perdre ton poisson. Ok, bah je le garde. Pour créer un trou de pêche, utilise cette foreuse pour transpercer la glace. Il sera également très utile pour pouvoir repérer les grandes créatures sous l'épaisseur de la glace. Je vais passer commande à la boutique d'Aru. C'est un vieil ami. La prochaine fois que tu iras en ville, pense à aller chercher l'amplificateur de sonore. Super! Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut faire autre chose pour... Je suis contente que tu demandes. J'ai perdu un équipement il y a peu de temps. Je l'ai fait tomber dans l'eau. Je suis maladroite. Je m'attendais pas à un miracle, mais tu devrais trouver un petit appareil qui ressemble à une antenne. On te rapportera directement. Compte sur nous. Alors, où on va ensuite? On va suivre la rivière d'encre. Et y mettre un terme. Incroyable! Alors tu connais le secret de la caverne? Absolument. Attends, quoi? La caverne! Le secret que Claude a gardé pendant... Tu sais quoi? Oublie ça. J'ai pas envie de te décourager. À plus. Intéressant. Ok. Bon. J'ai autre chose à faire par ici ou pas? Je vois qu'il y a une cabane en haut. Ah, je peux choisir où est-ce que je veux faire des trous. Ah, d'accord. J'avais pas compris comme ça, moi. Ok, je suppose que c'est sa maison à elle. Et si on va par là-bas, vers l'est? De l'huile, enfin de l'encre. Je suis où sur la carte? Ah oui. D'accord. Avant d'aller par là, ah, je vois plus rien. Voilà. On va continuer, hein. Ok. J'essaye de découvrir la map. Hein.
Ok, ça a pas l'air de bien marcher. Bon, bah on va rentrer dans la grotte et puis... Alors, qu'y a-t-il dans la grotte? Ok, et là, c'est quoi? Papa, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas vraiment. Alors arrête, y a que Claude qui sait à quoi sert cette machinerie. Et en attendant qu'il veuille bien nous dire le secret, il y a plein de gens qui ont besoin de notre aide. Nye! Ouvre la porte! Moi je casse tout! Je suis pêcheur, je casse tout moi! Vous allez me dire, il n'y a aucun rapport! Je vais vous dire oui. Je sais. Ouais. C'est à peu près par là-bas qu'il faut aller. Ok, j'ai retrouvé mon bateau. J'ai même vu mon toutou. Alors, j'ai vu, mais je sais plus comment je descends. Attends. Là. Par là, non. Ah, ouais. J'ai retrouvé, c'est bon. Mon toutou, je suis plus perdu. Voilà, on caresse toutou. Le toutou est content. Ouais, c'est bon. Alors, faut faire quoi maintenant? Parce que c'est bien beau de dire... Alors, suivre la rivière d'encre. Ok, ça, il faut voir quoi. Alors, pour attraper le poisson blizzard, j'ai besoin d'utiliser une canne à gin. Apparemment, il y a beaucoup d'oies sauvages à Monglo. Alors, attends, je vais reprendre. Comme il disait, une canne à gil, ok. Je crois que c'était celui-là et puis celui-là. Tant qu'on est dans la zone, hein. Ok, il y a des phoques. Enfin, des phoques. Je sais pas trop si c'est des phoques ou des. Ouais, ça ressemble à des phoques quand même, hein. C'est une tête de phoque, je trouve. Je suis encore loin. Ah oui, ok, bon, ça va. Le point de pêche est pas trop loin. Avec le petit bateau. Le petit bateau qui fait des popopos. C'est ici. C'était quoi les instructions d'Elvis déjà? À part bas de gamme, canne agile, leurre, splinker. Ok. Alors, on va faire comme il a dit. Alors, canne agile, leurre sprinker et appât bas de gamme. Ok, c'est ce que j'ai. Alors, si possible, ça serait bien que je sois pas dans le caca, voilà. Voilà. Alors, bon, on va essayer de pêcher, hein. Je sais plus ce que je dois pêcher, mais on m'a dit il faut y aller. Mais non, reviens là, le poisson! Je suis plus fort que toi, poisson! Allez! Ok. Allez, poisson! Non. Si je teste un autre truc. Ok.
Ok, c'était peut-être pas ça, mais c'est dans la zone là, il m'a dit. Ok. Je sais même pas à quoi ressemble le poisson que je dois récupérer. Parce que la quête, elle dit quoi exactement? Un poisson blizzard, d'accord. La canne agile, les oies sauvages. Je sais pas pourquoi il me parle d'oies sauvages. Ça allait un peu mieux quand j'étais dans le caca comme ça. Peut-être qu'il faut que je sois dans le caca. Bon, je vois rien du tout. Je suis pas convaincu que c'est par là, mais bon. Tant que le jeu il me dit pas bravo, vous avez gagné la quête. Hein. Ouais. Moi, ça me fait toujours du poisson, hein. Mais bon. Si je savais à quoi ça ressemble. Je pense pas que c'est dans le caca, attends. Je suis là, peut-être un peu plus au nord. Genre comme ça. Je tente des trucs, hein. Allez, petit poisson! Non. Petit poisson. Alors c'est bien beau de choper des requins, mais moi je veux juste un petit poisson congelé là. C'est peut-être ça, hein. Ok, c'est une anguille. Donc c'est pas les mêmes poissons déjà. C'est déjà bien. J'ai tenté autre chose. Ah, poisson-chat givré. Ça ressemble à peu près à, pour l'instant, à la description. Alors, c'est bien beau, mais c'est peut-être pas ça.